et de 2 pour Abidjan Handball Club en bleu jaune qui concrétise son parcours. Les Lions d'Abidjan font les premiers pas avec des occasions de but de leur pivot Traoré Makoura. Durant les 20 premières minutes, Abidjan Handball Club profite du système de jeu arrêté de Mandaman pour se démarquer. Bondaman essaie de rattraper son retard avec des tirs concrets de Eyenga Claudia, mais part à la mi-temps avec 4 points de moins que son adversaire, 12-16. À la reprise, Bondaman essaie de se réveiller et ne rate aucune occasion de but. Abidjan Handball Club baisse la garde, ses pertes de balles sont récurrentes. Bondaman en profite pour remonter progressivement au score. Les 4 dernières minutes de la rencontre sont décisives quand les deux équipes se retrouvent à égalité au coup de sifflet final 31-31. Aux prolongations, chaque équipe joue son va-tout. La tension monte et aucune des deux gardiennes ne veut laisser la balle visiter les filets. Le mano à mano se poursuit. Animel Nemba donne de l'espoir à son équipe en marquant le 35e but. Abidjan Handball Club renforce sa défense et empêche l'adversaire de marquer. Le but salvateur est signé Louis Erika, 36-34. Aujourd'hui, j'avais envie de prouver quelque chose. Et par la grâce de Dieu, tout s'est très bien passé. C'est vrai, c'est moi qui ai marqué le but de la victoire. C'est comme si j'avais déjà rêvé à ça. Depuis que cette finale arrive, je sais que c'est moi qui ai marqué le but de la victoire. Et c'est ce qui s'est fait. Nous avons joué et Dieu a décidé autrement. Elles ont du boulot, nous aussi on a du boulot, mais là c'est la volonté de Dieu. Parce que vu le jeu même, on est allé jusqu'à la prolongation. Ça veut dire que tous les deux clubs, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Voilà. En tout cas, félicitations à elles. Les filles du président Prégnon Hippolyte signent ainsi le doublé cette saison. Elles participeront à la prochaine Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe et à la Coupe d'Afrique des clubs champions en 2024.